On devait pas se retrouver devant le métro. Quelle heure il est ? Midi 22. Oh, t'as raison. C'est à quelle heure l'enterrement ? J'ai aucune envie d'y aller. Personne n'a envie d'y aller. Bonjour maman, ça va bien ? Qui est encore celui-là ? C'est ton fils, Pierre. Ah oui. Heureusement qu'elle a votre femme. Mon ex-femme. Ah oui. Bah, c'est bien triste, ça aussi. Bah, oui, bon... Vous avez entendu ce qu'elle a dit, mamie, tout à l'heure ? Je voudrais mourir à Saint-Julien. Je sais que c'était peut-être important que vous pourriez penser. Mais elle a peut-être pas envie de mourir tout de suite, si. Ok, d'accord, c'est bon, laissez tomber. Elle est très néposée, quand même. Votre grand-mère est sortie de chez elle plusieurs fois, plusieurs nuits. Bon, c'est quoi l'idée ? Vous voulez la mettre dans une maison de vieux, c'est ça ? Non. Bah, si, c'est un peu ça, quand même. Oui, c'est un peu ça. Ça doit pas être facile tous les jours, hein, parce qu'ils sont pas tous... pas tous étanches, quoi. Pardon ? Eh ben, on pourrait la prendre à tour de rôle chez nous. C'est pas une bonne idée du tout. Enfin, on a tous une vie. Quoi ça sert, t'entêter comme ça ? Je m'entête parce que j'aurais adoré que ma mère s'entête pour moi. C'est pas très bon en famille. Je vois bien avec les enfants. J'ai un peu merdé quand même. Je les aimais beaucoup, mes sœurs, quand j'étais petit. Je les voyais l'été à Saint-Julien. Et j'ai l'impression qu'on est tous éparpillés. Moi, j'ai besoin qu'on se rassemble pour être entière, pour être calme. N'empêche, quand on s'intéresse à elle, elle est contente. Mais je m'intéresse à elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Je lui fais ses courses toutes les semaines, je lui fais livrer son repas le midi. Tu fuis, là. Tu fuis comme tu as toujours fui, d'ailleurs. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais j'aimerais bien que tu me reconnaisses. De l'enfant, je me souviens que de Saint-Julien. Tu te rappelles, Elsa, comment on attendait ça ? On n'aura pas tout raté, finalement. Non ? Pas tout. And I'll always remember you like a child girl.